Chase, je cherche toujours un moyen pour semer ces types. T'es sorti? Ouais, mais j'ai de la compagnie, moi aussi. Ok. Retrouvons-nous au sud du parc des promenades, dans le centre-ville. Ok. Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve donc pour la suite de nos aventures sur LEGO City Undercovers. Et on vient de cambrioler le manoir Blackwell. Et on doit aller rejoindre notre complice. Oh. Tout en évitant de se faire percuter par les autres là et espèce de robot on dirait les personnages dans Matrix. Allez, approche, approche. T'es proche du parc des promenades? J'aimerais bien. Ces abrutis avaient posté des types sur les docks pour m'arrêter. Je pourrais pas venir tout de suite. Va voir Vinny. J'ai essayé de l'appeler, mais il répond pas. Même pas pour me hurler dessus. C'est pas normal, Chase. Je vais vérifier que tout va bien. Oh ben je ne prends pas la bonne direction, ça va pas le faire. Ouais, j'ai encore pris un truc qui va vachement vite. Allez, accélère. Je reviendrai plus tard pour faire le constat. J'espère qu'il a rien.
Allez, encore du parcours. On va s'infiltrer chez Vinny Papalardos. Enfin, du moins, dans son restaurant glacier, ce que j'avais dit en fait l'épisode précédent. J'ai confondu l'émission. Allez, le marchand de glace, allons voir ça. Ce que vous avez fait. Et qui nous envoie, à ton avis? De quoi? Pourquoi aurait-il... Hein? Quoi? Non, désolé, je t'entends pas. Désolé. Oups. J'ai cassé la poignée. J'ai gros débile. Pourquoi aurait-il... Faut que je sorte là. Allez, c'est parti, on va s'infiltrer là-bas dedans. Sortir notre collègue du. Enfin notre complice du congèle là. Va falloir casser la serrure si je veux sortir Vinny de là. Vinny, je sais que Rex s'est retourné contre vous, mais c'est pas une raison pour partir en pièces. Merci. Leur chef est allé s'enfermer dans l'usine à glace. Tu peux y accéder par un passage secret dans mon bureau. Je veux savoir pourquoi ils m'ont fait ça. Quoi? Oh non! Un de ces morveux a dessiné une moustache sur le portrait de ma mère. Comment ont-ils pu faire ça? Dire que ça m'a coûté une fortune pour que l'artiste ne peigne pas sa moustache, ça va la rendre folle si elle voit ça! Alors, il y a un change couleur à faire quelque part, mais je sais pas où il est. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas le perso qu'il faut pour... Parce que là, le problème, c'est que ça, je peux pas le casser. Donc, il y a un Cruella là, qui est en train de se faire plaisir dessus. Ah oui, je vais pas lui péter les dents. Hein. Ça aurait été bon, hein. Alors à quoi il sert ce truc?
Pourquoi on a une boule géante? À part pour péter tout le mobilier. C'est pareil, il change couleur dans l'air, mais... Si c'est l'heure de dormir, pourquoi je suis... Pourquoi ma veilleuse est pas allumée? Ah non. Elle empêche les monstres de s'approcher. Oh putain, ça me saoulait. Fallait peut-être pas y aller tout de suite. Parce que j'avais pas fini, en plus j'avais des trucs encore à faire dans cette salle. J'ai peut-être été un peu con là, sur ce coup-là. Ah, ça fait chier parce que là on aurait pu faire il y a plein de trucs là à faire, putain, je me suis précipité. Vinny aime vraiment la glace. Mmh. Alors c'est où ça va aller, hein. Thank you.
Alors on arrive à la fin de cette mission. Là. Utiliser son portrait en guise de porte, c'est original. Attends, on est dans l'usine de glace maintenant. Comment t'as fait pour rentrer ici? On s'en fiche, tu peux rien nous faire. Pas la peine de chercher de la glace ici. C'est fermé, définitivement. Je te vois encore, même dans cette caisse, hein? Hey, c'est de la triche! Vous deux, arrêtez-le! Restez pas là sans bouger! Arrêtez-le! Allez, par ici la dynamite. Hey, arrête de faire l'idiot là-bas! Bon, tu commences à me taper sur le système là. Mais non, il faut pas. Qu'est-ce que tu fabriques ? C'est ta dernière chance. Bon, j'arrête d'être gentil maintenant. Mais oui, j'ai été plus que gentil jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Je peux pas le voir. Désolé pour l'accueil glacial, monsieur. Merde, je suis con. Arrête d'appuyer sur les boutons et de tourner les volants de van. Mmh. Il faut qu'on aille au panneau de commande maintenant. Mais bon sang, vous pouvez rien faire comme il faut, hein? Qu'est-ce que... Oh, ça fait mal. Hey, sortez-moi de là, ou Rex va vous... Rex n'est pas là. Dis-moi pourquoi il vous a envoyé. Ça, tu peux toujours courir. Je m'en occupe, Vinny. Je crois savoir comment le faire parler. Mange-en un peu plus. Oh, oh, oui. C'est un délice! Ma tête! Attention, voilà l'avion! Non! Arrête! Je vais tout vous raconter! Où est Rex? Je sais pas! Je te jure, je mens pas! Mais je sais comment le trouver! J'étais censé faire un boulot ce soir, sur le chantier à Paradise Sands. Hey, tu pourrais prendre ma place? Tu me ressembles un peu. Ah ouais? T'as la même taille? Si tu mens. T'inquiète, Chase, je le garde au frais. J'ai quelques questions moi aussi et j'aimerais bien qu'il y réponde. Ah! Non! Pas ça! Oh, c'est de la glace myrtille grenade, non? Oh, ces glaces sont trop bonnes! Oh, je le sens jusque dans les roches. Vous n'auriez pas un peu de chantilly? Et voilà donc cette mission qui se termine chez le marchand de glace. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City Undercovers. Je regrette qu'on n'ait pas pu faire toute la mission en entier. On a loupé quelques étapes, mais bon, voilà. Alors, on essaiera de faire mieux sur le parcours plus tard. Allez,
Portez-vous bien, à bientôt. Salut à tous.